Salut, salut encore et bienvenue encore sur notre édition des théories de pratique. Et comme je le dis bien, pour ceux qui veulent mettre les organes là, pardon, parce que ça manque comme un tas de problèmes. Parce que moi, je ne gère pas moi les retours. Alors, après les retours là, non, ça ne me concerne pas. Parce que moi, je ne raconte que les commentaires des bas étages là, les commentaires des manchum ton quartier, comme on dit, les quartiers de ici. Et comme je le disais la dernière fois, il y a une fois, je vous ai fait une vidéo par rapport à la vente de documents en ligne. Oui, à la vente de documents en ligne, il y a certains qui ont dit que ce n'était pas vrai, ou monter des cendres. Mais aujourd'hui, là, je vais vous faire une fille qui va vous témoigner. Vous allez comprendre qu'elle fait double vie. Elle mène une double vie. Hein? Moi, vous allez écouter ça. J'ai 23 ans, je suis célibataire. Je suis caissière dans une cave. Ça fait 2 ans maintenant que je suis dans le milieu du business. Par le manque de moyens, ça c'est un, je suis pas avec mes parents, je suis avec une tutrice, donc c'est très difficile pour moi. Je propose mes services sur WhatsApp et Telegram parce que les réseaux sociaux nous aident à avoir des clients. Bon, sur WhatsApp, donc quand je veux publier, je bloque ceux qui ne savent pas que je suis dans le milieu du business. Je les bloque là, ils ne voient pas mes stories au fait. Ceux qui savent que je suis dans ce milieu-là, c'est eux qui vont voir qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui s'est passé, mes prix. Je présente en vie comme une fille simple, normale, comme les autres. Ce n'est pas tous les heureux de Busy qui vont se présenter en disant « je suis une heureuse de Busy ». Je ne me considère pas comme une prostituée. Chez moi, je trouve qu'il y a une différence. La prostituée, je vais dire que ce sont ceux, les filles qu'on trouve au bord de route, qui arrêtent des clients. Nous, ce n'est pas pareil. Il y a le manager qui est là, il nous trouve des clients, ni vu ni connu. C'est plus professionnel. Vous avez écouté la réalité. Elle même vous dit que c'est grâce à ça qu'elle vit. Comment vous écoutez? C'est pour vous dire qu'il y a bon nombre de filles présentement qui sont tapées dans l'homme qui joue franchement ce jeu. Et même certaines femmes mariées, je vais vous rappeler, il y a certaines femmes qui actuellement sont là, c'est leur boulot. Donc elle est là, mini by mini, elle est connectée. Elle ne blague pas sa connexion pour vendre son jumeau. Bon, c'est pour elle.